Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer une petite vidéo différente de tout ce que je vous propose depuis mes débuts. Mais j'ai surtout envie de parler. YouTube est un vaste trésor de connaissances où on peut faire de très belles rencontres sur YouTube. Il y a un contenu énorme. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler ce qui m'attire ces dernières semaines, derniers mois, voire déjà un petit peu plus loin, mes petits favoris, ou en tout cas les vidéos vers lesquelles je me tourne, et j'avais envie de vous en parler. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser beaucoup de mes abonnés, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, j'ai fait un petit top. C'est pas vraiment rangé dans les classements des meilleurs ou quoi, ou par rapport au nombre d'abonnés, c'est pas très intéressant, c'est le contenu qui m'intéresse. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que je regarde régulièrement. Donc ici, pour moi, le top 1 des vidéos au niveau de la tarologie, pour moi, le numéro 1, ou en tout cas la personne que je regarde depuis le plus longtemps, c'est Miss Moreau Ricin. Elle propose des horoscopes mois par mois. Moi, je trouve que c'est une grande tarologue. Elle a une voix claire, concise. J'adore son expression. Et certains de mes abonnés m'ont fait part que j'avais certaines fois le même timbre de voix que Miss Moreau Ricin, ou en tout cas, on me fait part que parfois aussi que j'ai un timbre de voix comme Fanny Ardant. Donc là, ça me fait sourire et je vous remercie. Et c'est vrai que je suis allée voir et parfois c'est vrai que ça sonne un petit peu comme ça. En tout cas, la première personne à laquelle je pense, moi, aujourd'hui, c'est Miss Moreau Ricin, que j'aime beaucoup. Ensuite, le top numéro 2 pour moi, c'est une tarologue du Québec. C'est mon soleil tarologue. Alors là, c'est quelqu'un qui, pour moi, propose vraiment des tirages très fins, très subtils. Alors, son accent québécois, j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup de charme. On parle d'éveil spirituel, de tarologie. Je vous invite à aller voir, mais en tout cas, j'ai découvert ça très récemment et j'aime beaucoup. Ensuite, pour moi, le top numéro 3, en dehors de tout ce qui est tarologie, on ne regarde pas seulement des vidéos de tarologie, il y a aussi d'autres choses. Et là, je pense à Sonia Seller, qui propose des vidéos sur l'hygiène de vie, le maquillage, les soins. On est des femmes, on aime prendre soin de nous. Donc ici, Sonia Solaire, elle est extraordinaire. Solaire. Elle est surtout, je pense, très solaire. C'est pour ça qu'elle m'attire. Mais elle propose des vidéos. Elle pourrait faire un one-man show, rien qu'avec les produits qu'elle propose et qu'elle découvre et qu'elle teste pour nous. Elle a à peu près 41 ans. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je vous invite à aller voir. Voilà. Ensuite, en dehors de tout ce qui est spirituel, c'est Studio Daniel. Alors, Studio Daniel, c'est la super mamie que tout le monde aimerait avoir. Moi, j'adore cette mamie. Je trouve que cette idée extraordinaire de la faire découvrir et voyager et toucher des choses dont elle n'a jamais connu. Donc, le garçon qui a créé Studio Daniel, franchement, chapeau bas pour toi. Ensuite, le top 5 pour moi, c'est Sandra Relaxation ASMR. Donc ici, c'est des FAQ sur ses vidéos. Il y a également, elle travaille avec les sons, il y a des chuchotements. Elle parle de relaxation ultime. Et aussi, elle propose du tapping. Vous pouvez aller voir, je l'aime beaucoup. Elle est très jeune, mais je trouve qu'elle est très, très calée. Ensuite, on ne peut pas passer sans parler de Vanessa Chamonal, qui est astrologue, qui propose des vidéos sur les nouvelles lunes, les horoscopes, signe par signe. J'aime beaucoup. C'est long, mais j'aime beaucoup. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Le top 5, moi j'ai Nano Angel que j'aime beaucoup, tarot douceur, tarot naturel. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Elle est très accessible et c'est ce que j'aime beaucoup. Je te salue d'ailleurs. Ensuite, quelqu'un qui pour moi est très professionnel,
qui propose des énergies semaine par semaine. C'est la carte aux étoiles, c'est très pro et très complet. Moi, je dis bravo. Ensuite, j'ai une petite nénette que j'aime beaucoup, c'est Lunopale Isabelle, que j'ai découvert récemment, surtout sur Instagram. Je trouve qu'elle est très artiste, elle est très unique, même si on est tous uniques, mais elle est surtout très touchante. Elle tourne aussi des vidéos à l'extérieur. C'est une petite chaîne que je vous encourage à aller voir. En tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu me touches énormément. Bravo, continue. Ensuite, on parle d'un grand monsieur, Roland Legrand, l'astrologue d'expérience, qui va d'ailleurs laisser le relais à des plus jeunes, qui l'a formé. J'ai beaucoup... J'ai d'ailleurs commandé pas mal de thèmes chez lui et j'aime beaucoup l'écouter. Et c'est comme un petit peu mon papa. J'adore, j'adore et j'adhère. Ensuite, Tarot Vision Horoscope, c'est un homme qui est sur YouTube. Il a un accent, je ne sais pas si c'est l'espagnol, mais en tout cas, moi, je suis attirée par tous les pays espagnols et tout ça. Donc, j'adore déjà. Je le trouve hypersensible, je le trouve vrai. Je trouve qu'il fait énormément d'efforts, qu'il en a fait énormément par rapport à la langue française. Et je le trouve très, très sympathique. Je le trouve très, très performant dans ses tirages. Ensuite, il y a un monsieur, c'est un japonais que j'aime beaucoup, un jeune homme qui est en couple avec une japonaise. Ils ont deux chats. Alors, il propose de la cuisine, il montre tout à ses chats, il promène ses chats à l'extérieur, il fait goûter ses chats. Il est impressionnant, c'est Jun Jo-i-Zuki. Abonnez-vous. Si vous aimez les chats, la cuisine, la création, il est extraordinaire. Ensuite, Vanessa Vaia, incontournable pour moi, douceur, professionnalisme, touchante aussi. Alors, elle propose également des discussions, elle fait des reviews, elle parle beaucoup de minéraux, ce que j'aime beaucoup, elle est très pro, c'est Vanessa, point. Sandrine Ashka, j'aime beaucoup aussi, je l'ai découvert il y a un peu plus longtemps, mais j'aime beaucoup, donc, développement personnel, spiritualité, très touchée par l'histoire de son fils, que j'embrasse au passage. Top 16, pour moi l'astrologie fait une grande place dans ma vie, donc Sophia, astrologie et création holistique, astrologue humaniste, j'aime, j'aime, j'aime. Le top 17, c'est une jeune nénette que je viens de découvrir, libre et sauvage, très écolo, elle a débranché son frigo récemment, elle fait tout un tas de choses, elle est végane, je crois, il me semble, en tout cas j'ai regardé pas mal de vidéos de cette jeune fille qui a à peu près 10 000 abonnés, j'aime beaucoup, le contenu est bien et franchement elle est vraiment habitée et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et le top 18, alors ça c'est grâce à mon fils, mon plus jeune fils, Thibaut InShape, fitness, détermination, entraîne, il est entraînant. Il découvre, notamment, il était au camp en Pologne où il a rencontré une dame qui a survécu. En tout cas, il fait plein de belles choses. Il fait du sport, il est motivant. Il y a des transformations de personnes avant, après. Il est habité ce mec et en tout cas, j'aimerais avoir un fils comme toi, Thibaut InShape. Donc, game, j'ai envie de dire, tu es trop fort. Et mon fils adore et moi aussi parce qu'il a une petite copine qui s'appelle Juju Cat Fitness, je crois. Et c'est un couple d'enfer, très motivant et qui peut beaucoup aider les jeunes qui ont peut-être perdu l'intérêt de faire du sport, etc. En tout cas, moi, j'adore. Est-ce que j'ai encore quelqu'un? Eh ben non. Eh ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous proposer. C'est juste mes petits favoris de ces derniers temps. Alors, chacun, j'en ai d'autres, hein, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce que je regarde un peu. Après, il y a plein d'autres personnes, mais c'était un petit peu ce à qui j'ai pensé là, ces dernières heures, ces derniers temps. Donc, je vous salue. Il y a des très bons contenus sur YouTube. Il faut faire le tri, c'est vrai. Mais en tout cas, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que je regarde. Mais il y a encore plein d'autres choses. Mais je ne peux pas vous faire des vidéos trop longues. J'en ferai peut-être une prochainement. Je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. Bye bye.